Yo les gars, CNLS8, on se retrouve aujourd'hui pour l'équipe de l'abonné, une nouvelle série sur ma chaîne. Tout simplement, cette série va être très très simple. En gros, je vous donne un poste au début du match. Par exemple, aujourd'hui, ce sera le gardien. Si je gagne ce match, vous me proposez dans les commentaires un bon gardien, un gardien que vous aimez, un gardien que vous trouvez très cheaté ou un gardien tout simplement que vous voulez voir dans cette équipe. Le commentaire qui aura le plus de likes donc sera élu et donc le joueur apparaîtra dans le prochain épisode dans mon équipe. Et si je perds le match, vous me proposez un joueur que vous n'aimez pas du tout, un joueur que vous ne trouvez pas très bon, etc. Dans la limite du possible, bien sûr. Si vous me proposez, par exemple, si je gagne le match, un Neuer, je ne pourrais pas le mettre dans mon équipe parce que je n'ai pas assez de crédit. Voilà, donc en gros, si je gagne le match, vous me proposez un joueur, le commentaire élu et le commentaire qui a le plus de likes. Si je perds, vous me proposez un joueur que vous n'aimez pas, un mauvais joueur. Et il apparaîtra forcément dans l'équipe dans le prochain épisode. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. On lance tout de suite le match et on se retrouve quand on a un adversaire, les gars. Ok les gars, on a un adversaire. Moi, mon équipe, bien sûr, n'a pas vraiment de collectif. Ce ne sont pas des joueurs très très bons. On tombe sur une équipe plutôt très très bonne avec Matuidi au milieu central. C'est du lourd. Allez les gars, va falloir tenir là. Va falloir être costaud. Allez, pour l'instant, on fait tourner. On joue bien là. Allez, on joue bien. On la décale là-bas sur le côté. On lui remet dans l'axe. En profondeur, dommage. En tout cas là, on la remet bien. Dans l'axe, la tête peut-être. On la décale devant, la frappe croisée. C'était très très mal tiré les gars, en tout cas ça fait un premier corner. La frappe était très très mauvaise, on a quand même de la chance d'avoir un corner sur cette frappe plutôt médiocre. Allez, et ça fait coup franc là, ça fait coup franc les gars, on se fait sécher un petit peu sur le côté, c'est un peu excentré, on va essayer de la mettre dans le centre. C'est parti tout de suite les gars, pour la tête, attention, encore un arrêt du gardien, arrêt réflexe, la frappe encore peut-être. Ok. Ça s'annonce plutôt bien pour nous les gars. Pour l'instant on a pas mal d'action. Faut faire attention là sur les contre-attaques de pas se faire prendre. Attention sur l'aile. L'accélération peut-être. Ashley Young. Attention le centre peut-être. Non, il a un peu hésité. Et heureusement on se dégage. Pas forcément bien, mais on se dégage quand même. Allez, c'est récupéré. C'est récupéré ça les gars. Ça c'est bien joué. C'est récupéré. On va essayer de lui mettre là-bas. Non, c'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort et c'est plutôt mal joué. Allez, on va récupérer contre David Luiz, ça va être compliqué. Ça va être compliqué les gars, attention, on va pas se faire prendre. En contre-attaque, attention l'accélération de Matuidi. Matuidi Charo, peut-être, la passe pour Alessandrini. Alessandrini qui rentre dans la surface, attention. Attention les gars, on se dégage bien. Voilà, c'est l'essentiel les gars. Pour Rosicky peut-être, ça passe pas, dommage, attention là, attention. Ça va être compliqué. Ouh, la méchante faute. Je crois que c'est juste devant la surface, on a eu de la chance que ce soit pas dedans. Et ça fait coup franc les gars, juste devant la surface, faut faire attention. Et c'est Ashley Young qui va tirer les gars. Un plutôt bon tireur, attention, c'est contré. Non, c'est pas contré les gars, ça fait but. C'est pas perdu les gars. On a l'espoir de gagner encore. De toute façon, on faisait un bon début de match. Allez Coquelin. Coquelin qui fait partie de mon squad builder de la BPL la plus cheatée. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez vraiment pas à aller le voir. Allez, voilà. On la met en l'air, on essaye de la remettre dans l'axe. Oui, pour Rosicky. Rosicky qui n'a plus qu'à la mettre. Et ça fait 1-0 les gars, poteau rentrant, yes. 1-1, pardon, excusez-moi. J'ai rêvé, ça fait 1 partout les gars. L'égalisation de Rosicky, belle déviation de la tête pour Rosicky. Et ça fait 1 partout, j'ai du mal les gars en tout cas. On a eu de la chance, le petit poteau rentrant là. Je fais pas attention, mon milieu gauche n'a pas les 4 étoiles malheureusement. Attention là, là c'est bien jeté là pour Fekir. Attention le gardien peut-être. Et ça fait 2-1 les gars, ça fait 2-1. Allez, ça fait 2-1 juste après notre égalisation. Ça fait pas du bien les gars. Et on va lancer sur le côté. On va lancer. Allez. Rafaelov. Attention. Il a les 4 étoiles lui, je sais. Double contact. Allez, c'est bien gagné comme duel ça. Drogba. On va essayer de rentrer tout doucement dans l'axe. Et on frappe les gars. Et ça fait... Oh non la barre. Oh non la barre les gars. Allez. On va la récupérer les gars. On va la récupérer. C'est parti. On récupère. Voilà. Bien joué. On remet dans l'axe. Hop. On essaye de s'en sortir. Attention pour l'adversaire, pour l'attaquant, pardon. On lui met dans l'axe. Rosicky, le doublé peut-être et ça fait 2-2, les gars. Le doublé de Rosicky, 2-2. Magnifique, très belle action, les gars. Et ça fait 2 partout juste avant la mi-temps. On se met bien, les gars. Ça fait plaisir. Yes, c'est la mi-temps, les gars. 2 partout à la mi-temps. Pour l'instant, franchement, on domine. On a 53% de possession. 4 tirs, dont 3 cadrés. Franchement, les gars, on est bien. Pour ce match, on va essayer de se mettre à l'abri, pardon, avec un troisième but. Et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Et on se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match, les gars, en espérant vraiment se mettre à l'abri pour l'instant 2-2. Ouh là, il y a une petite faute juste devant la surface, les gars. Après, je sais pas du tout avec qui je vais tirer le coup franc, puisque voilà, je pense que les joueurs n'ont pas forcément de très bonnes stats. Lui, il a plutôt des stats vraiment pas mal. Rosicky, c'est mieux, les gars, en plus un droitier.
Allez, on est bien les gars, c'est bien dosé, dommage. Attention, en deuxième, attention, dommage. Attention derrière, Nabil Fekir qui rentre dans la surface. Le tir de Nabil Fekir et l'arrêt du gardien. L'arrêt réflexe, ça fait plaisir, le gardien qui tient. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, on est reparti, dommage, on la rend à l'adversaire. Voilà, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué. Oh, la petite faute là. Oui, la petite faute, yes. On récupère le coup franc les gars. C'est quand même assez loin, c'est quand même assez loin. Qu'est-ce qu'on tente les gars? Est-ce qu'on tente une frappe? Allez, on tente une frappe en puissance les gars. De Suarez, attention, faut pas que ce soit dans le mur, malheureusement, ça l'est. C'est toujours pas assez puissant. Belle passe, attention les gars. Peut-être le 3-2 et le gardien qui a encore la main ferme les gars. Et pour l'instant, on a de la chance, faut faire attention. Et faut faire attention encore sur ce corner. Encore le gardien, peut-être, non, pour cette fois-ci, c'est pour la tête. Et là, c'est 3-2 les gars. Là, c'est 3-2 à la 83e et là... Ça devient très compliqué les gars, dommage. Je suis dégoûté, on perd 3-2 les gars, mais franchement on s'est bien battu sur ce match. Donc malheureusement, c'est une défaite. On a quand même bien poussé dans le match pour essayer de gagner, mais voilà, après l'équipe c'est vrai que forcément c'est pas de très très bons joueurs. Donc on a fait ce qu'on a pu, franchement on a quand même poussé. Après c'est vrai que l'adversaire a bien joué aussi. Mais voilà, en tout cas les gars, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les commentaires. Vous me dites le joueur, donc le gardien que vous voulez le moins, enfin que vous aimez le moins tout simplement et que vous voulez que j'achète pour cette équipe. Donc par exemple, je ne sais pas, mais n'importe quel gardien que vous n'aimez pas du tout et je serais obligé de le mettre. Et n'oubliez pas, le commentaire qui a le plus de likes sera donc le gardien qui sera dans mon équipe pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette série et cet épisode vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Donc allez, on va s'ouvrir ça les gars, 1€ sur la jaquette, espérons toucher du lourd, c'est parti, allez, oh, brésilien défenseur, yes, Naldo les gars, regardez ses stats, 4-0.